Et le ballon qui sort immédiatement, qui passe au-dessus de la cage du gardien Kennedy Mouene. Avec un absent sur la feuille de match aujourd'hui, Erdogan, c'est aussi Machu, qui n'est pas dans la liste des 18 ce soir. Avec peut-être l'apparition de Megheni au cours de cette partie, on va le voir, suivant l'évolution du jeu. Et le ballon, encore une fois, récupéré par les Zambiens et par Denis Banda, qui va chercher là-bas Christopher Katonga. Attention encore à ce ballon, il faut aller gagner ces duels, c'est bien ce que fait Belhadj. Le ballon toujours pour Katonga, Christopher qui va passer, Christopher qui va centrer directement dans les bras de Kawawi. Il est quand même arrivé à passer Motomo, hein, à réussir son centre, et ça va repartir de l'autre côté. Et Motomo ne tenait pas, avec Karim Zali qui va décaler pour Saïfi, peut-être, oh, Saïfi sur le rebond, il a été trompé, mais Saïfi qui commence à devenir un peu plus prompt, hein, sur ses actions. Il avait du mal à débuter le match sur cette énorme occasion tout à l'heure, cette tête décroisée, cadrée, et Motomo sur un contre orienté qui arrive à faire la différence. Motomo qui va partir, il va décaler la balle de l'autre côté pour Djokbo qui va crocheter. Djokbo qui lève le ballon, oh, il est arrivé un petit peu trop en retard, hein, Djokbo. Il a mis le ballon dans le dos de tous les dans joueurs, le dos de tous les attaquants. Et il faut gagner, hein, les duels dans le milieu de terrain. Il faut remettre le pied sur le ballon. C'est bien ce que fait Altaleria. Il s'est imposé. Et c'est l'équipe algérienne qui reprend les matchs en main. Passez-moi l'expression, mais en tout cas, c'est de bon augure. Alors qu'on joue la 38e minute de jeu, avec un but qui aurait pu être accordé. Mais allez, on va l'oublier, ce but. Il y a de la place pour en marquer d'autres. Très certainement, Ziani qui va contrôler difficilement avec la charge tout à l'heure de Sakouara. Ziani qui a toujours le bénéfice du ballon piqué au centre, il va trouver Djokbo qui va dans le Djokbo qui se fait chipper le ballon à la dernière minute par Denis Banda et ça va repartir pas pour trop longtemps. Maintenant c'est la Zambie qui rate ses relances, récupération de Lemouchia. Et attention, cette balle de Lemouchia sur la tête de Djokbo qui ouvre sur Saïfi. Saïfi qui essaie de trouver du Motomo de l'autre côté. C'est un peu court. Un peu court, il n'y a pas de Saïfi. Ça joue bien, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de vivacité dans le jeu maintenant. Et c'est ça qui va faire la différence. Ziani, arrête sa bouche. Arrêtez sa bouche, effectivement. Rien à voir avec le Renard de Hassan. Hein. Du score, on va dire. Hassan qu'on salue également. Voilà, on salue tous les anciens. Un ancien bouclier mondialiste qui a fait de bonnes choses en équipe nationale. Ziani qui va tenter l'autre louche encore une fois. Raté Ziani qui récupère 4 contre favorable. Et encore une fois, raté sa transmission pour Motomo. Mais ça va passer. Ça va passer. Récupération de Bougala. Il faut jouer sur les côtés. Il faut essayer d'écarteler cette défense, de la déséquilibrer par la vivacité, la vitesse d'exécution. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, Erdogan, jouer sur Saïfi. Et ballon rapidement joué, cette touche de Belhadj. En 1-2, c'est bien fait. Voilà le 2 pour Belhadj de Saïfi. Belhadj qui va contrôler, il va lever le ballon. Premier poteau, première intention, son centre. Bien enveloppé, hein, pied droit, pied gauche. Hein, il joue des deux. Il frappe très fort. Le joueur de Portsmouth, il a surtout ce bel effet, hein, quand il frappe le ballon. Il fouette le ballon. Il fouette le ballon aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur du pied. Et c'est ce qui fait sa force à Nabil Belhadj. Et faute, encore une fois. Et encore un carton. C'est pour le frère cette fois-ci. Félix, allez, comme ça il n'y aura pas de genou. Cette fois c'est pour Félix. C'était Christopher tout à l'heure, ouais. Et maintenant c'est Félix qui prend le carton. Et attention également à le joueur, il y a beaucoup de joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Il y a Ziani, il y a, je crois, Bouguera aussi. Et moi je vais dire, il vaut mieux qu'ils prennent aujourd'hui le carton que face à Rwanda. Que face au Rwanda. Face au Rwanda pour le match de l'Égypte. Voilà. Attention à la parole de déviation, encore une fois de Saïfi. Bon timing, hein, il est monté au bon moment. Pour shipper ce ballon dans les airs, mais pas trop appuyer ce ballon et aucun danger pour Mouine Kennedy qui va relancer un long ballon. Cette équipe zambienne qui a moins le pied sur le ballon, cette équipe algérienne qui prend la mesure du jeu avec cette déviation de Djokbo, encore une fois pour Ziani sur le côté. Ziani qui va essayer de passer, dribble, il trouve pas de solution, il y a trois joueurs devant lui, il va essayer de passer. Ah, monsieur l'arbitre, c'est de l'anti-jeu ça. Il avait fait la différence, Karim Ziani. Et c'est Chiluta qui a commis cette faute.
et le coup franc sont mérités un carton également. Hein. Ça va peut-être passer avant la pause. Allez, on espère. On espère. Le coup franc de Nadir Belhadj. Ou alors Ziani, qui veut lui aussi jouer ce coup franc. Ziani rentre en sur la droite, au centre, et bonne intervention de Majid Bouguera qui met le ballon en touche complètement. Il y avait faute. Il y a une faute. Là. Il y a une faute. Attention à ce ballon. C'est reparti avec Katongo là-bas sur la droite, au centre, et bonne intervention de Majid Bouguera qui met le ballon en touche complètement.